Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est Daddy Famtech, deuxième vidéo Motorola cette semaine, le H20, tout de suite après le générique. Seconde vidéo Motorola, cette fois-ci on va parler du H20. J'espère que la première vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci va vous plaire. En tout cas, si j'ai quelque chose à vous demander pour pouvoir faire vivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche, de me mettre un like, ça fait super plaisir. Et à la fin de la vidéo, vous me mettrez vos commentaires, comme ça ainsi le packaging sera complet. Une fois n'est pas coutume, on va retrouver à la face arrière un capteur de 108 mégapixels grand angle, ouverture 1.9, un deuxième capteur 16 mégapixels ultra grand angle, ouverture 2.2, un troisième capteur 8 mégapixels téléobjectif, ouverture 2.4. C'est un CPU Snapdragon 778G accompagné de son GPU Adreno 642L qui vont faire tourner tout ça avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et pour alimenter le tout, une batterie de 4000 mAh. Pour la face avant, on va retrouver un écran OLED de 6,7 pouces. Attention, le taux de rafraîchissement est de 144 Hz, c'est pas rien. Dans le poinçon, on va retrouver un capteur 32 mégapixels grand angle, ouverture 2.2. Il est Wi-Fi 6, 5G, ça peut filmer en 4K, on a du bon. Le Motorola H20, tout d'abord parlons de son design. Il a un design très classique, un peu passe-partout, très agréable au toucher, il tient bien en main, il est très fin, on ne va pas lui reprocher ça. Alors, le dos certes est en plastique, on aurait pu mettre du verre poli, c'est du plastique imitation verre. Certains vont lui reprocher les traces de doigts, mais bon, la coque est fournie par Motorola, une coque transparente qui laisse transparaître la beauté du téléphone. J'ai vu le mot maintenant. Mais voilà, je veux dire, si maintenant on doit peut-être trouver un défaut au dos, ben c'est le capteur photo qui ressort énormément. Mais bon, à un moment donné, je veux dire, voilà, il y a la finesse. Les capteurs photo, ben, ils font un très bon taf, vous verrez plus tard. Donc forcément, ça ressort un petit peu plus, ce qui le rend un petit peu bancal quand il est posé à plat. C'est dommage, mais on ne peut pas tout avoir, il faut bien se le dire. Toujours dans le design et dans la prolongation vers la sécurité, le Motorola a préféré mettre un lecteur d'empreintes sur la tranche droite plutôt que sous l'écran. Ce lecteur d'empreintes réagit au doigt et à l'œil. Il est très, très, très rapide et très sensible. Ça, franchement, ils ont fait un super travail. Donc, encore une fois, bravo à Motorola. Toujours dans le design, mais cette fois-ci, on va partir vers le son. Là, par contre, j'aurais aimé que Motorola parte vers du stéréo, donc deux haut-parleurs. Ils ont fait le choix d'un haut-parleur mono. Voilà, le son est bon, mais je l'ai trouvé un peu moins bon que son petit frère, le H20 Lite. Je vous envoie tout de suite la séquence du son, vous m'en direz quoi dans les commentaires. Parlons de l'écran. Alors là, l'écran Motorola a fait fort. C'est du OLED de 6,7 pouces, compatible HDR10, c'est pas rien, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Moi, j'utilise un Pixel 6 Pro, un Galaxy S21 Ultra, le Realme GT Neo 2, vous savez, je switch pour les tests, etc. Ils sont en 120 Hz, mais le 144 Hz met encore un cran au-dessus. C'est hyper fluide, franchement, c'est du réel bonheur à utiliser. La colorimétrie de cet écran, elle est juste tip-top. Il n'y a rien à lui reprocher à l'écran. Franchement, on est vraiment dans le sublime. Vraiment. Maintenant que j'ai fait les éloges de l'écran, parlons un petit peu de la puissance du téléphone. Avec un Snapdragon 778G, c'est le petit frère d'une catégorie en dessous du 888, moins gourmand en énergie, mais aussi moins puissant et moins cher à la production, ce qui nous permet de rentrer dans cette gamme de prix.
Qu'est-ce qu'il nous sort au Geekbench? Au Geekbench, il m'a sorti un score de 765 au simple core et un score de 2793 au multicore. Alors certains vont me dire, ouais, on est vraiment dans le milieu de gamme. C'est sa catégorie, c'est le milieu de gamme. Par contre, à l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 522 430. Et là, on est quand même aussi dans une belle catégorie parce que 522 000, c'est pas rien. Là où ce processeur m'a convaincu, c'est que j'ai fait tourner des jeux, bon, comme d'habitude, Asphalt 9, Genshin Impact, Fortnite. Et pourtant, les FPS sont restés stables. Donc, il fait quand même son travail. Il a chauffé un chouïa plus fort, par contre, lorsqu'on joue à du Fortnite ou des choses comme ça, parce que ben, forcément, Fortnite est gourmand en ressources. Je vais vous envoyer tout de suite les extraits de jeux, comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée de comment il tourne avec ces trois jeux-là. Ensuite, on revient ici et on va parler un petit peu de la partie photo. Parlons un petit peu de la photo. Un grand angle, un ultra grand angle, le téléobjectif, qu'est-ce que ça peut valoir tout ça? J'ai été visiter le parc de Peridaisa, un parc zoologique, je vous invite à y aller. Vous allez vous rendre compte par vous-même que les photos sont très très bonnes, même la vision de nuit est très très bonne. Alors il est capable de filmer en Full HD 30 et 60 images par seconde, en 4K 30 et 60 images par seconde, ce qui n'est pas rien. J'ai réussi à prendre des photos derrière une vitre et on ne voit même pas la différence parfois parce que franchement le niveau de détail est très bon. Je vous laisse profiter du reportage, ensuite on revient ici pour une conclusion.
J'espère que cette visite du parc de Peridaisa vous a plu parce que franchement, il en vaut la peine. Les animaux sont très bien soignés. Il y a des accords avec la Chine pour les pandas, etc. Donc franchement, ça vaut le coup. Les décors sont magnifiques. J'ai pas pu tout vous mettre parce que sinon, ça durerait des heures. Et puis, le but est de vous faire goûter un petit peu pour qu'ensuite, vous y alliez de vous-même, profiter une journée en famille ou même vous balader. En tout cas, je vous mets tous les liens dans le descriptif. Si vous voulez un jour même y loger, parce qu'on peut y rester une nuit ou deux, profitez-en, franchement, ça vaut le coup. Parlons un petit peu de l'autonomie. 163 grammes, il a fallu aller chercher ce poids quelque part. Donc, on a grappillé un peu sur la batterie, etc., etc. On a une batterie de 4000 mAh. J'en vois certains qui vont venir me dire « il ne tient pas la route ». Et pourtant, si, on peut le charger en plus ou moins 50 minutes avec son chargeur rapide 30 watts. Et pour ces 50 minutes, il va tenir en utilisation intensive, et j'insiste bien sur le intensive, une journée. Alors, 4000 mAh, une journée en utilisation intensive, je peux vous dire que Motorola a optimisé cet Android 11 pour son téléphone aux petits oignons, vraiment. Le Snapdragon 778G, cet écran OLED, qui sont tous les deux peu énergivores, accouplé à l'optimisation de Motorola, a fait qu'on peut tenir en utilisation intensive une journée. En utilisation plus régulière, on va dire plus polyvalente et plus modérée, vous allez tenir votre journée et demie sans problème. C'est le smartphone que vous allez pouvoir partir le matin et vous dire au soir, ça va, c'est bon, il me reste encore un petit peu de batterie pour aller boire un verre. Je vous le dis honnêtement. Ma conclusion, parlons des défauts. J'aurais aimé un deuxième haut-parleur pour faire du stéréo, c'est vrai. J'aurais aimé une carte micro SD pour étendre un peu la mémoire, c'est vrai. Et bien c'est tout. Je pense qu'en défaut, je pense que j'ai rien trouvé d'autre. Son prix affiché sur le site officiel à 4,99€, mais il y a la promo que je vous affiche ici des écouteurs à 119€, ce qui le place, si on fait le calcul, à 3,80€, on est en dessous de la barre des 400€. Là, ça fait super plaisir. Je l'ai trouvé à 3,99€ sur Amazon et chez nous en Belgique à 3,99€ chez Van den Borre. Avec cette promo écouteur à 119€, ben, il chute en dessous de la barre des 300€. 3,99€ moins 119€, excusez-moi, ça fait 2,80€. On est en dessous de la barre des 300€. Pour un téléphone avec un écran aussi sublime, une autonomie de dingue, un Android optimisé aux petits oignons, il fait des superbes photos, on n'est vraiment, vraiment pas volé. Que ce soit en dessous de la barre des 400 et encore moins volé en dessous de la barre des 300€, si j'ai vraiment une conclusion à vous faire, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que le prochain test, ben, c'est le H20 Pro. On va voir ce qu'il est capable de faire. À bientôt.